plaisir pour nous koyeba kebwa ebele bokolanda biso mukolo mwalelo sur Congo Live Television. Vous allez na Kinshasa, na Moniti, tout na Kisangani. Vous êtes un peu partout, vous êtes à Kabea, Kamwanga, nous disons, toi ça qui dira. Bonjour à tous les nous, pour télévision et tout Congo Live Television, toi ça qui dira. Boa Kusungula, boa Kumanyamaloa. Pour Nabino Lelo, Nazo Yamba, Moko Yaba, acteur politique, Nakatia République démocratique du Congo, heureusement, Tokangani Naye, dans l'est du pays, Azana passage à Mboka, Tokangani Naye, et puis Tolobi, et Sengeli, Toloba Naye, situation à Mboka. Sur les plans diplomatiques, sur les plans sécuritaires, même sur les plans politiques, Ye Azali Kokanisanini, Makambo Oyuza Koleka, Nakatia Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Maître Léopold Baguma, j'ai l'honneur de vous recevoir sur Congo Live Television. Nalobi Bouye et là mon pembote. Ah, mbote. Bonio. Calme. Carré, Benna, Bilo, Bonio, Sokari. Mikolo et Bélé. Oui, oui, Mikolo et Bélé parce que Nabeta qui m'a tour, Nazaki Kotote. Et puis, Toueko Zonga. Parce que la dernière fois, Otto Monanaki, ils époque il y a il y a procès, il y a procès, il y a carnage, il y a massacre, il y a des Congolais avec le dossier, il y a des JR, il y a l'église à Bazalendo. Donc, depuis ce temps-là, ça faisait quand même un temps, aujourd'hui, ça fait un bail. Et nous revoilà encore, tout le monde a une dissous. Mikolo et Bélé, c'est un plaisir de vous recevoir sur Congo Live Télévision. C'est peut-être pour vous la première fois d'y passer. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, membre de l'Union Sacrée. C'est quoi l'état actuel de la nation? Le lengembo que je vous kende, comment est-ce que l'analyse n'y nous a mené dans l'état actuel à Mokanabiso? Bon, merci beaucoup. En ce qui concerne l'état actuel de notre nation, vous savez que notre nation, nous sommes agressés un peu partout. Et c'est là, la complicité, elle est un peu internationale. Parce que vous n'allez pas voir cette complicité sur les plans internationaux, mais l'internationaliser, ce sont de firmes internationaux, ce sont des grandes puissances qui nous combattent. Avec une politique par procuration, ils en étaient babazo, tiens, bas commissionnaire, ne baza, mais bango, baza nasima. Donc le problème, on s'est dit, qui est le tireur, y a bas ficelle, qui joue avec la marionnette. Et c'est ça le grand problème. Et c'est là, moi, je me dis, tous les Congolais, parce que la question sécuritaire de notre pays, c'est l'apanage de tout le monde. Non seulement c'est l'apanage du gouvernement, mais c'est l'apanage de tout le monde. Parce que, au Bokomona, que Ndenge Mboka et Zokende, vous allez vous rappeler que depuis que on a essayé de revoir notre code minier, avec Joseph Kabila, lorsque nous avons revu notre code minier, et comme déjà un problème. Eza Makambo, Yamabele. Eza Makambo, Yamboka. Nenge Vital Kamere, président Dani, honorable Vital Kamere, Aloba. Eza Makambo, Yamboka. Eza Makambo, Yamabele. Eza Neti, honorable Bati Lukwebo, Aloba. La politique à l'Obanaï, il y a une complicité. La complicité, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, esa complicité, moko, y a l'icolo, et même internationalisée. Et à cela, il faudrait que Bissonioso tobune la écolo. Parce que nous n'avons pas une autre sœur. La seule sœur que nous avons s'appelle la nation congolaise. Et le seul frères que nous avons, ce sont les Congolais. Il faut des tobundela, mboka nabiso. Mboka mabele ya bankoko, bankoko nabiso. Il faudrait que nous puissions se battre parce que l'unité, c'est une force. La division, c'est une faiblesse. Non seulement que c'est une faiblesse, et c'est même un baiser de Jida.
Ça commence déjà au niveau des autorités congolaises. Il faudra dire Esengelito Mibunda pour Esengelito Bunda pour Namboka Nabiso. Au premier degré, nous devons voir le gouvernement congolais. Au second degré, à l'article 63, nous devons voir les Congolais personne par personne s'inscrire à fond pour défendre la RDC. On commence au niveau du gouvernement congolais. Certains mettent à cause les efforts que fournissent les gouvernements congolais, disant qu'ils ont des distractions parce que Tchabiso. Et nous n'allons obtenir aucune solution via le lingue gouvernement et Kukumba Makambo. Là, je parle de la diplomatie, ces processus de Luanda qui certaines personnes ne font pas confiance aujourd'hui. Et puis, Bako Kanisaki, le lingue gouvernement, ils ont mené les affaires. Vraiment, nous n'aurons pas une réponse. Pour commencer par là, le lingue nini, Ozali, pour analyser l'Ikambo. Les efforts du gouvernement, vu le plat diplomatique, certains estiment qu'il est Kofutate. Même si tout ça a 50 ans et qu'on fout à tête, nous devons revenir sur la voie des armes. Yozo Kanisani. Bon, et puis que diriger, ce n'est pas facile. Et les bons disaient ne sont pas toujours les bons faiseurs. Bon, bah, zolo, bah, ils ont été bons en match. Bah, joueur, bah, zolo, bah, match. Ils ont la, bah, joueur, la bisoso qui a, y a, il y a le poids, bah, joueur, moussousou. Mais, bah, tout, bah, ça, liban, mais, ce qu'ils ont, il fallait la bête à boy. Mais eh ben tu en as terre comme il logo monsieur. Vous comprenez? Certainement que on ne change pas l'équipe qui gagne, on change que l'équipe qui n'a pas gagné. Mais vous devez savoir que gouverner, c'est pas aussi facile. Et même les grandes nations, ils ont aussi des multiples problèmes. T'as la Nenge États-Unis, le 11 septembre, Babeta Pentagon World Center. États-Unis avec sécurité na bango. Ce moment-là, il y a un terroriste. Et puis, terroriste, mais on a un terroriste qui est chez Bissot. Et moi, je me dis, je ne suis pas pessimiste dans ma vie. J'ai toujours été optimiste. Et ça ne sert à rien de se lamenter parce que l'époque de lamentation est révolue. Nous, en tant que la population congolaise, tozana mboka mosusu te mboka na biso, il faudrait que tobundela yango. Nous devons même changer même le langage lorsque nous parlons de notre pays. Parlons le positif de notre pays. Parlons le positif de notre pays. Parce que, oyebi que même la langue peut maudire même le pays. Mais cela dit, il faudrait que... Les Osalemas, c'est nos actions et populations, ils ont estimé que les gens de l'autre côté, ce n'est pas la première fois que nous allons au table à négociation avec Kagame. C'est plusieurs fois que nous avions été, Kagame n'a jamais respecté quelque chose. Est-ce qu'il y a tout, il y a Mbalaoyo, est-ce qu'il n'est qu'au foot, c'est ce qu'il y a zombie bêta tout. Est-ce que cette fois-ci n'est pas Simba? C'est ce qui pousse un peu les Congolais à penser que vraiment voie diplomatique toujours perdre peut-être temps. Bon, et puis que moi j'ai toujours été quelqu'un de paix. Même les grandes guerres de ce monde, les grandes guerres de ce monde ne se gagnent pas par la puissance destructrice des armes. Par contre, les grandes guerres de ce monde se gagnent par l'offensive diplomatique. Même la guerre mondiale, au finish, basuka kiwapi, na table. Et surtout que vous savez que avec cette guerre ici, combien de morts on est en train toujours de compter. C'est comme si c'est comme si je dirais que l'esprit de mort a pris l'ascendance sur l'esprit de vie. Mais il faudrait qu'on ait la base stratégique. Regardez par exemple le ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense a failli, c'est juste une question de le remplacer. On met d'autres personnes. Vous imaginez par exemple avec le Sud-Guerre.
essayons de voir par exemple les militaires na biso au monde bazobunda mais entre parenthèses biloko na bango babilei banini oso comprendre te eso kenda. Récemment il y a un militaire qui a fusillé même ici à Goma son supérieur, son colonel, tout simplement parce que ce dernier aurait détourné son argent. Et ce sont ces genres de supérieurs qui sont en train de décourager nos militaires, qui sont en train de déstabiliser même moralement nos militaires. Lorsque un supérieur détourne l'argent d'un soldat, mais c'est grave. Un soldat des rangs, un soldat qui est encore célibataire, azana moisi, azana na moana. Mais c'est grave ça. On doit revoir tout ça. Banlieue y a front. Bozo bunda, il faudrait ba téléphone non so bakati, bazo bunda sans téléphone. Il faudrait pas y avoir bozo bunda. Oh toi, toi reculé de soi pareil. Il faudrait que la peine de mort puisse être d'application. Mais qu'est-ce qui empêche ça depuis que Mme Rose Mutombo est partie et jusqu'aujourd'hui, Costa Mutamba est venu jusqu'à présent. Il n'y a rien qui a été fait. Et c'est ce que je vous ai dit. Mais lorsqu'il s'agit des histoires compliquées comme ça, il y a des trahisons. Mais il faudrait que d'abord on puisse mettre là au front une cour opérationnelle qui sera là au front. Lorsqu'il y a des histoires de trahison, la cour opérationnelle doit statuer et il y a directement une décision. Mais il n'y a pas, en ce moment, nous n'avons pas une cour opérationnelle. Il faudrait que, vite, parce que mangu, cour opérationnelle est à la wana. Parce qu'il y a déjà un moratoire sur la peine de mort. Parce que dans des temps exceptionnels, il faudrait des décisions exceptionnelles. Voilà, Maître Bagula, on parle ici de l'état de la République démocratique du Congo. Ndenge to fongoli couloir à justice. Nous ne pouvons pas aussi finir cette émission. Ça que tout le monde là-bas, Makambo Moko, bien que tu as la belété, mais on essaiera un peu de parler de la RDC. Maître Bagula Léopold, je rappelle que vous êtes maître avocat chevronné, tout le monde la justice Lélo. Depuis l'avènement de Costa Mutamba, une partie est Zoloba, Aza Moutou, Azo Sala, populisme, parti Moussous Balobi, Azo Sala, Lit, Oyo Koze, Ezali Nomme. Le Lobako informé, Bissot, déjà qu'il est empoisonné, il a été évacué à l'extérieur du pays et tout le reste. Parlons un peu de tout ce qu'il a commencé à faire, tout, si je peux parler de l'innovation. Vous, personnellement, état de carrière, comment vous l'aviez considéré? Quelles sont vos analyses? Pensez-vous aussi qu'il est populiste comme plusieurs essaient un peu de le dire? Et de l'autre côté, vous les avocats, qu'est-ce que vous dites par rapport à Costa Mutamba? En fait, en ce qui concerne le ministre Costa Mutamba, bon, vous allez comprendre premièrement que c'est un avocat d'abord. Il connaît les rouages de la justice. Ezane, tu obtiens un ministre de la justice. Certains magistrats. Okomona akangi moto asi a pirja penaye, mais azaka kawana na prison. Okomona pour des faits bénins, okomona pona ozwa ka logo mogo ya tchana na ezangatina pa ozawana ba 10 ans. Okomona moto pona ba infraction ya vol simple et ça infraction punissable à 5 ans. Mais au comment la moto a sali 20 ans. Au comment ba lobby que non décision ya justice, il faudrait que après autant de jours ba bimisa prononcer,
mais bango wa kokende au-delà okomona bato bazo futa neti baba bamongo ya nani ya bamongo ya ba liberté provisoire. Ok, on fouta par exemple $500, le nom on fouta $500, mais on bakotia na ordonnance sa liberté provisoire, batie par exemple 20 000 francs. Ne ba détournement on a dit. Okomona koza ba misusu, tomona, pe ba voka, ba manchawa, po koza ba manchawa mosusu. Biloko exécution au gagnant na yo nani procès na yo, mais étape exécution omoni magistrat ayé li susu ami interposé kono ba ko exécuter, mais c'est grave ozomona ba misusu ba magistrat misusu bazo ke négocier ba suspension ya ba travaux. Pendant qu'il faudrait qu'il y ait une décision de la justice, une décision du tribunal ou bien de la cour. Mais comment on a un magistrat, il y a parquet pour dire le magistrat debout, parce qu'il y a une différence entre magistrat assis et le magistrat debout. Mais magistrat, il y a parquet, il y a suspension, il y a pas de travaux. Mais c'est grave. Biloko ebele. C'est pour cela que. Moi, Nabisso, Jean Nabisso, frère Nabisso, confrère Nabisso, Constant Mutamba, c'est quelqu'un quand même encouragé. Biloko populisme ou quoi? Et au Komona que Batoyo, Bazo critiqué Mingi, Eza Batoyo, Bazana Barua Joana. Bazana Barua Joana. Kenne na ba prison omona autant de personnes bazakuna kenne na prison omona makambo ko futa mbongo pako ya l'état ko futa ba amende désormais et komi na banque balobi azoku mitia na makambo oyo etaliété tika to lobela awa ko kufa ya batu na prison centrale la makala. Il y a Talisi Ango qui est allé sabotage vis-à-vis de l'action. Oyo ba ko sala na ebité yo za mettre avocat évasion wana tentative yango yo zo analyser ango ndenge nini ya lobby ezali tentative ya évasion te mais eza action oyo ba magistrat moko ba sala ki ba fandi pour que ba simbi sa e touche pour que biloko wana salema, parce qu'il faut aussi rappeler que plusieurs sources affirment que bureau administratif oyo ya prison makala batumba ki yango koma bozo analyser ba fe wana koma sa boni nakala bino ya ba avocat boko fanda boni bozo tala likambo au moins na cadre ya banquette nana habité bien que ezala ba magistrat onini baza na bango pe na ce qu'on appelle baza bango pe avec ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ezala bango te mais baza quand même na oyo ba ben la présomption d'innocence garantie même par la constitution. Mais en attendant toye ba nenge biloko ezokende ba enquête ekoba tokoyeba et soki tomoni ke koza ba des gens ba magistrat ou bien ndenge ministre de justice alobaki qui seront de près ou bien de loin, bon, il y a complicité, il y a participation criminelle tokoyeba tous les chacun d'eux o ya sala ki boy vous comprendre. Et pour moi je me dis ba magistrat wana ndenge ministre de justice alobi bazana na présomption d'innocence toti kana nou ba enquête et salema, mais c'est grave au moment qui n'engue carnage aux alaki na prison na prison centrale. Et moi je me dis baba kena ki kobeta masasi mais eza ba magistrat te koza ba militaire wazaki wana komanda na bango, est-ce que y avait pas moyen bo tirer bato ba esika mosusu au pied de soi pareil. Ti, donc comment qu'il y a combien? 120. 130 personnes qui ont perdu la vie. Au moins, il y a un peu de temps. Et
Là, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Il faudrait qu'on puisse interpeller les militaires au Bazalaki. Moi, je m'attendais que Batia procès pour les militaires, parce que ça, ce n'était pas professionnel. Voilà. Et on ne peut pas justifier ça en termes de légitime défense. Parce que Bato Baza inoffensif, Baza n'a manou quitté. Mais il y avait d'autres façons de les neutraliser. À part le tirer des balles. Oui. Voilà, peut-être la dernière question sur la justice avant de passer. Il nous reste quelques 3 minutes. Avant de passer sur la plus grande information qui cartonne à l'est du pays, votre démission aussi du parti politique INC. Je prends la dernière question. Pensez-vous que Moutamba va gagner cette guerre contre les réseaux mafieux de magistrats? Vous savez, pour moi, je me dis, dans le cadre du ministre de la Justice, Président Moutamba, je me dis, c'est juste une question de mettre nous tous la main dans la pâte, le soutenir. C'est un ministre, ce n'est pas un ministre d'un parti politique, mais c'est un ministre de l'État congolais, c'est notre ministre du pays. Je vis d'autres ministres dont la population avait soutenu et ils ont bien fait leur travail. C'est le cas, par exemple, de l'honorable Bahati Lukwebo lorsqu'il était ministre de l'économie. Vous avez vu, il avait stabilisé la monnaie. Hein? Tout simplement parce qu'il était avec la population s'est retrouvée dans lui, et aujourd'hui, la population se retrouve à Constant Moutamba, et des gens qui travaillent mieux, quand même, il faudrait les encourager. Et je pense que c'est toujours possible. Lorsqu'il y a un système mafieux, un système néfaste, un système prédateur, un système de la zombification, comme le disait le professeur Godefroy Kamana, nous, en tant que les gens qui comprennent et qui combattent ce système, nous devons dire non et alors non. Le Congo doit changer, nous devons avancer. Les gens qui prennent leurs intérêts égoïstes du ventre et du bas-ventre, non, nous devons combattre ce système. Et c'est un système qui ruine le pays. Pour moi, je me disais, lorsque il y a un système de détournés, il y a un système mafieux comme ça, il faudrait que la sanction puisse être tellement sévère. Voilà, les dames et messieurs, nous sommes presque à la fin. La dernière question, on parle politique ici, sur Congo Live Télévision. Nous l'avons appris que vous aviez démissionné au sein du parti politique ou de la famille politique INC, que vous aviez pris votre adhésion au sein de la famille politique AFDC. Pendant qu'il n'y a pas longtemps, nous avions aussi appris que l'AFDC B comme ça, si aujourd'hui menace d'être dans l'Union Sacrée et ne se retrouve pas comme elle devrait se retrouver dans cette famille politique. Plusieurs autres personnes estiment que vous aviez démissionné au sein de l'INC parce que vous ne vous êtes pas retrouvé, on ne vous a pas servi comme il le fallait. C'est quoi cet éclaircissement? Quels sont ces motifs qui vous ont poussé peut-être, si vous permettez de demander ainsi, à démissionner chez INC pour partir chez AFDC? Et que peut dire, clarifier ces personnes qui estiment que vous n'aviez pas été servi, raison pour laquelle vous aviez démissionné? En fait, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je sais que vous êtes un journaliste vraiment pertinent. Et dans ce reportage, j'irai et je serai plus synthétique à la manière de Pépé Lebrun. Vous savez, ces gens-là qui sont en train de dire n'importe quoi, pour moi, je me dis, ces gens-là, sûrement, que ces derniers ne sont pas de Congolais. Pourquoi est-ce que je me dis qu'ils ne sont pas des Congolais? Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne lisent pas notre constitution. Et ces derniers seraient même les ennemis de la nation congolaise. Les ennemis de la nation congolaise, tout simplement. Pourquoi? Parce que notre constitution a été l'émanation de nous, le peuple congolais, par le trichement du référendum. Parce que lorsque vous lisez l'article 6 de notre constitution, qui est clair comme l'eau de la roche, parce que dans cet article, son alinéa 2 nous donne cette capacité d'adhérer ou bien de créer son propre parti ou bien d'adhérer dans une autre formation politique. Et cette disposition
combat de parti unique. Et lorsque vous violez la Constitution, donc là nous sommes, vous voudrez que nous puissions entrer dans ce qu'on appelle la haute trahison. Sûrement qu'eux ne sont même pas des Congolais parce qu'ils ne maîtrisent même pas notre loi, la loi de loi, notre constitution. Et si je peux partir même loin, lisez même l'article 17 des statuts de l'INC à son alinéa premier, hein, qui nous donne cette possibilité de démissionner individuellement. Lisez même l'article 13 du règlement intérieur de l'INC, qui nous donne aussi, à son alinéa premier, qui nous donne aussi cette possibilité de démissionner. On entre libérément, on quitte libérément. L'époque du parti État, le parti Tata, bon, Moko, Maman, bon, Moko, mon Konzimo, Moko. Wana école, wana elekanango kala Mike, donc Mike kala Mike kala kala elekanango. Vous comprenez? Et ce que nous avons fait, ce n'est que la Constitution. Nous sommes des démocrates. Même ceux qui sont à l'INC aujourd'hui, ou bien avant la création de l'INC, peut-être les autorités, ils étaient dans d'autres partis politiques. Pourquoi est-ce que moi, lorsque je peux entrer à X ou bien Y parti, ça crée des problèmes. Et surtout que vous devez faire une différence entre une personne morale et une personne physique. Moi, les liens que j'ai avec l'INC ou bien les liens que j'ai avec l'AFDC, ça dépasse les sphères de la personne morale qu'on appelle INC ou bien AFDC. D'autant plus que Papa Vital Kamerhe, c'est mon papa. Papa Batu Lupwebe, c'est mon papa. Et ça n'est pas y'a oncle Nayo, ok, et pas y'a Coco Nayo. Est-ce que le problème est ça? Donc, je quitte. Par exemple, Nabimi Nangaï, je quitte chez mon oncle, je pars chez mon grand-père. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Et les gens ne puissent pas se mêler dans ce qu'ils ne savent pas. Donc, ce sont mes papas. Et jamais vous ne verrez moi mettre le Paul Bagoula, injurier l'honorable Vital Kamerhe, mon papa, injurier. Nous vous disons merci, nous sommes à la fin de cette émission sur Congo Live Télévision. Maître Léopold Bagoula était notre invité. Youssoufou Kibingila à David, journaliste d'investigation, j'étais à cette présentation. Bonne journée, bon week-end et à la prochaine pour d'autres actualités.